اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر C'est plus chez Dick, c'est plus la lutte des classes. Tout le monde va s'assouplir. Eh oui. Les croix sont restées debout. Ce sont les tombes musulmanes qui ont été visées. Ces deux événements criminels en l'espace de quelques jours prouvent que la situation peut se dégrader, provoquer l'incompréhension, la colère et l'indignation de nos frères musulmans, des plus jeunes d'entre eux, et puis après c'est le cercle vicieux. Face à la colère et à l'indignation, c'est ensuite d'autres qui peuvent se mettre en marche. Et c'est ce processus que nous voulons briser. C'est ce cercle vicieux que nous voulons briser. Nous aimons nos frères musulmans.
de culture ou de religion musulmane. Ils sont nos frères, ils sont nos concitoyens. La République doit les protéger, mais ce n'est pas simplement le fait de la République. Chacun d'entre nous, que nous soyons président de région, président de conseil général, élu local, député à l'Assemblée nationale, nous devons, avec tous nos concitoyens, réfléchir, pas seulement les concitoyens musulmans, tous nos concitoyens, et en particulier avec les jeunes, voir comment ils peuvent désormais être assurés de notre respect, de notre amour, du fait que la France doit rester la France, c'est-à-dire une république exemplaire en matière de droits de l'homme, et surtout vis-à-vis de ceux qui sont les plus faibles. En cette période de crise économique et sociale qui frappe les plus faibles, il ne faut pas laisser justement se développer des sentiments de violence ou de haine. Il faut que nous réfléchissions ensemble. Et quand on désigne ici ou là ce qui caricature l'islam, il ne faut pas ensuite s'étonner qu'il y ait des gestes, des paroles, des actes qui peuvent semer le trouble dans les esprits et conduire à la violence. C'est une spirale très dangereuse, et en tant que président de cette région qui s'honore d'être une région où il y a de nombreux citoyens français de culture et de religion musulmane, nous devons être exemplaires, comme nous l'avons toujours été, et comme nous venons ensemble de chanter la Marseillaise et de crier ensemble « Vive la France !» avec tout notre amour et tout notre respect pour nos frères musulmans et pour les plus jeunes d'entre eux. Merci. Attends, 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 on est comme ça.